Grigory, est-ce que tu peux me dire si quelqu'un a retrouvé mon couteau suisse? Grégory, mon couteau suisse, est-ce que tu veux bien aller voir s'il n'est pas dans le réfectoire des chauffeurs, s'il te plaît? Grégory! Garde du midi, s'il vous plaît. Ah, vous allez à Paris? C'est bien Paris, hein. Le seul problème avec Paris, c'est les Parisiens. Ils sont drôles de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les aiment. Un jour, j'ai eu un Français à la même place que vous dans le taxi. Il m'a dit, Paris, ça n'est pas la France. Je lui ai dit, ça, je ne vais certainement pas dire à un Parisien parce que ça le rendrait de mauvaise humeur. Notez qu'ils sont toujours de mauvaise humeur, les Parisiens. N'empêche, Paris, tout le monde veut y aller. Tout le monde veut monter à Paris, réussir à Paris, pour se faire un nom, quoi. En fait, Paris, c'est un peu comme New York pour les Américains. Les gens pensent que quand ils sont connus là-bas, ils sont connus partout. Vous connaissez, vous, tous les gens connus de New York? Non. Moi non plus. Il faut encore voir ce qu'ils vont faire là-bas, hein, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Et nul n'est prophète en son pays. Ce qui veut dire que ce que je viens de vous expliquer, ça vaut ni pour les Parisiens, ni pour les New-Yorkais. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que j'irai faire à New York, par exemple. Pour la bonne et première raison que je parle pas anglais. Ceci dit, quand on y réfléchit, vous savez, les langues étrangères, à quoi ça sert de les connaître si vous avez personne avec qui les parler? Regardez, admettons que je parle tibétain, par exemple. Combien de chances j'ai par jour de voir s'asseoir à votre place le Dalai Lama? Ou un moine tibétain? Les moines tibétains, il paraît qu'ils travaillent pas. Ils n'ont pas besoin d'argent parce que les gens leur donnent des choses, font des offrandes, ils donnent à manger. Alors, moi, je suis sûr qu'un moine tibétain, il n'a aucun mal à manger 5 fruits et légumes par jour. Ce qui n'est pas notre cas. On m'a dit qu'il fallait acheter des fruits bio. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai été voir, alors j'ai trouvé des pommes bio. Vous saviez d'où elles venaient, les pommes bio? Nouvelle-Zélande. 18 000 km pour des pommes. En fait, la pomme bio, c'est un fruit exotique. C'est comme le kiwi. Kiwi, ça c'est vraiment le fruit le plus chiant du monde à manger. C'est immangeable ce truc. Quand c'est dur, vous devez couper avec un couteau, puis après vous avez besoin d'une fourchette, ça fout des poils partout, le jus qui dégouline. C'est presque aussi difficile à manger que du homard, un kiwi. Et ça, le homard, j'aime autant vous dire que je suis pas prêt d'en manger. Hein. Avec tout ce que je dois en pension alimentaire à mon ex et au fisc, chaque kilomètre que je fais ici dans cette bagnole enrichit tout le monde, sauf moi. Si vous voulez, dans ce pays, pour gagner de l'argent, il faut être malhonnête. D'ailleurs, quand vous regardez les ministres, ben, ils sont tous riches. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On a compris, quoi. Car regardez-moi celle-là, tiens. Elle a grillé son dernier neurone en faisant ses courses. Et c'est plus la différence entre le rouge et le vert. Enfin, grâce à Dieu, on l'a pas écrasée. Elle va pouvoir donner ses cadeaux et fêter Noël et Nouvel An. Moi, les fêtes, ça me déprime. Les gens, à Noël, ils tiennent fous les gens. Vous avez déjà vu ce que les gens dépensent comme argent en guirlandes qui font de la musique, en boules qui font de la lumière? Mais moi, j'aime bien la nouvelle année parce que, ben, je vous le dis à vous, je dis pas ça à tout le monde, mais j'ai un petit Beretta. Alors quand c'est les 12 coups de minuit, je sors dans le jardin, bam, 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 je tire 12 coups. Alors les gens pensent que c'est des pétards, tout le monde applaudit. Et en fait, j'entretiens mon arme une fois par an, il faut que...
faut s'en occuper, quoi. Regardez-moi ça. Les gens roulent comme des dingues, hein. C'est à croire qu'ils pensent qu'ils vont avoir une coupe parce qu'ils arrivent les premiers. Premier au cimetière, oui. Moi, au prix où est l'essence, je roule à mon aise. D'ailleurs, avec tous les chauffeurs, ici, on est allé à un stage de conduite économique. Est-ce que vous savez combien de litres par an on peut économiser en roulant doucement comme ça? Non, je sais pas. Moi, je sais plus non plus combien, mais c'était vraiment énorme, quoi, la différence. Attention, c'est pas que je suis pas capable de rouler vite, hein. La fois passée, il y a un client, entre la place Poulart et la gare du Nord, eh bien, on a mis, je pense, moins de 10 minutes. Mais bon, attention, hein, on n'avait pas le choix, le client était pressé, il fallait absolument qu'il ait son train. Bon, on a foncé, quoi. Grégory, est-ce que tu peux regarder ce que je t'ai demandé pour le canif, là, le couteau suisse? Parce que je suis toujours sans réponse, hein. Grégory! Putain, c'est incroyable, celui-là. Jamais là qu'on a besoin de lui. C'est un petit jeune qui travaille à la centrale. Et franchement, il croit qu'il est arrivé, lui. Jamais là qu'on a besoin de lui. Quand vous avez besoin de lui, et hop, il disparaît comme un nuage. Par contre, pour profiter des autres, là, franchement, c'est facile, hein. Il réapparaît comme la Vierge. Non, depuis qu'il a entendu parler de la fin du monde, lui, il en fout plus une, hein. Il attend que ça passe. Si cette fin du monde pouvait nous débarrasser de tous les cons de la Terre, hein, monsieur, je signe tout de suite. On va arriver, hein. Ouais. C'est juste que parfois, les gens pensent que le trajet le plus rapide, c'est le trajet le plus court. Mais c'est pas forcément le cas. Les gens connaissent pas la ville. Bon, ça fait un petit temps que je fais ça. Il y a des chemins que personne ne prend, que j'utilise moi. Et... parfois, ça paraît super long comme ça, mais en fait, vous allez voir, vous allez peut-être même être en avance. Enfin, vous m'avez pas dit que vous étiez pressé non plus. On va vous déposer devant la porte. Ça fera juste... 18,65. Voilà. Ah oui. C'est bon, gardez. Non, non, mais attendez, attendez. Je vais vous rendre la monnaie. Est-ce que j'ai mis ça ici? Voilà. Ah, laissez-moi deviner, vous venez de Paris. C'est bien Paris, hein, c'est une belle ville. Mais le problème avec Paris, c'est les Parisiens. Un bon melon, une bonne pêche. Moi, ça fait des années que je les cherche. Le problème avec l'argent, c'est quand on voit à quoi on le dépense. Attention, les religions, c'est comme le cochon, hein. Tout n'est pas bon. Là-dedans. De bouffer du choco, il n'y a plus de rang autant. Mais ça, les gosses, ils le savent. Tout est chimique maintenant. Et quand vous allez au zoo, la cage est vide. J'ai rien contre les chevaux. Non, moi, je trouve que l'argent fait le bonheur. Le problème, c'est quand on voit à quoi on le dépense. Il faut dire ce qu'on mange. À partir du moment où on dit ce qu'on mange, moi c'est vous bon. Vous avez hein. vu les Mayas et la fin du monde? C'est ce soir hein, que ça va se passer. Hein. Enfin, qu'ils disent. Attention, je suis pas raciste. Hein. Moi, je suis pas certain que leur calendrier il vaut quelque chose. Hein. Ah là là, les gens.